Yes! Ici Barrecito View sur Itovio Gaming dans mon let's play Mass Effect Andromeda, deuxième épisode. Hein. Le premier, je vous ai lâché, hein. Je me suis pris une rafale dans la tronche. Pourtant, j'étais en train de préparer un guet-apens sur un point tactique en hauteur, mais je me suis pris deux bastos dans la tronche et. Ça m'a renvoyé d'où je venais exactement. Ma dernière sauvegarde était ultra loin, j'ai dû crapahuter, pourtant il aurait pu faire une sauvegarde avant. Donc là, je vous ai fait un petit accéléré avant de vous remettre le gameplay, et le let's play tout simplement. En attendant, pendant ou même après la vidéo, hein, n'hésite pas à commenter, mettre un like si tu kiffes, le partager, hein, ça ferait plaisir en fait. Je sais pas si cette série ou les autres plaise, donc moi ça me ferait plaisir, hein, ou même conseiller que ce soit des modes. Encore nos amis. Ah, alors, là on va se les faire. Tiens, mange-toi ça. Vous en repérez, c'est parti. Hey. Je crois que c'est le mec sur le côté qui me l'a mise là. Rentrer 2-3 bastos en tronche, voilà. En fait, je savais même pas, ils étaient 3-4 là. Et... voilà. Je suis foutu. Allez, viens, viens. Meurs. Putain, mais je sais pas viser en fait. Voilà, voilà. Tactique. Et fuis, fuis. Pouf! Elle crame dans le feu! Il crame! La voie est libre! La vengeance, c'est un plat qui se mange au KFC. Ils peuvent toujours courir! C'était la phrase de la journée, hein, putain. Alors, pourquoi je suis mis ici? Ah, ouais, d'accord. T'as de putain, ça fait du feu, des éclairs, des champignons et une tour. Allez, laisse tomber. Pas des coffres, pas de... Ouais, matos, non. Pas looter ces merdes. Tiens, va looter, toi. Alors. Ok. Voilà. Chargeur supplémentaire, fusil pompe. Ça c'est fusil pompe FP. Normalement c'est fusil pompe. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont pas fait chier, hein, sur le code des armes. FP, FA, pistolet. Mais au moins c'est très instinctif. Gauche, droite, gauche. On va à gauche. Je sais pas, ça a l'air moins évident, donc je vais y aller. Peut-être c'est un piège. Là, je vais voir vite fait. Est-ce qu'il y a un secret de... Descends. Bien. Allez. Parce que... Ah! Il me fout direct dans l'objectif. Qu'est-ce que c'est? Allez, il y a un... Et par droit devant. Il y a clairement de la lumière à côté de notre navette. C'est l'autre moitié de notre navette. Ouf. Et dans quel état? J'arrive pas à croire qu'on s'en soit sorti. Il faut encore qu'on arrive à quitter cette planète. Merde. Merde. Ça bouge dans le périmètre. C'est une embuscade. Fais chier. Ils ont la montagne sur nous. Pas prêt du tout. Ils vont pas me la faire. J'arrive pas à croire qu'on s'en soit sorti. Tu l'as, c'est fou. Il faut encore qu'on arrive à quitter maintenant. Chier. Merde, ça bouge dans le périmètre. C'est une embuscade. Je suis planqué. Viens, viens. Oh, le con, il vient au corps à corps, le gars. Cac, direct. Allez. Encore ces créatures. Ouf. Oh, les chiens de merde pour te déloger de ton abri, quoi. Je crois que c'est juste pour ça qu'ils l'ont créé. Il y a toujours eu des chiens. Ils essaient de nous encercler.
arrières. Et nos avant. Et nos côtés. Et les avant. Et les côtés. Je l'ai nommé ministre ce matin. Qui est ministre de quoi déjà, firme. Oh, balle dans la tête. Non plus. Pouf. Ah, mais il est plus stylé en fait, le frère. Voilà. Beauty. Ministre des Affaires des côtés. C'est-à-dire les petits machins comme ça. Ah, voilà. Ça tire. Voilà. Terminé. Les genres de camions à bleu. La boîte noire, là. C'est la boîte noire, ça? Ah, d'accord. Violemment frappé par la foudre. Les AB Riders sont introuvables. Quel est votre position? Ah, d'accord, ils sont pas morts, ok. Oh, les cadavres de gars juste derrière. Ici le pionnier. Ceci est un SOS. Navette en détresse. On a perdu le réacteur. Et papa! Hé, hey, peut-être qu'ils s'en sont tirés. Bah ouais, je pense. Il reste une chance. Ouais, bah oui. C'est papa, quand même. Ils ont dit que c'était un mec qui pèse et tout, genre... il était dans le même genre de commando que Shepard. Le... catégorie N7. Enfin, Round 7. Oups. Alors, si je fais le tour par là... Normalement, je dois voir un truc, j'ai pas vu. Oh, loot. Fusil combat, non. Ah! Fusil combat, c'est fusil à pompe. Fusil précision, FP, donc c'est fusil précision. Ouais. Et FA, c'est fusil d'assaut. Je me suis remis dans le truc. Alors, si j'avance... Ah, ça me fait retourner par là. Bon, allez, laisse tomber. Donc je dois contourner ce gros tamas de pierre. Ouf. J'ai un coup de tonnerre dans la tronche quand même. Oh, là-bas il y a un truc là, genre. Ben, on dirait un tunnel. Ah, les champignons ils font un bruit bizarre quand on les approche. Quand ils chantent. Ah, peut-être c'est ça enfin. Non, mec. Et les champignons, ils font du bruit. Il y a une sorte de structure sur cette colline. Tu vas rester? Ouais. Les tempêtes ont ravagé cet endroit. Ah ouais, ça me fout ce qui la merde. Sur cette planète. Ah, c'est un genre de base. Oh, on rentre dedans, vas-y. Ah ouais, ça tire et tout. Vas-y, on va leur mettre une rafale dans la tronche. Salut. Espérons qu'il n'y a personne à la maison. Ça ne ressemble pas franchement à une maison. Ah ouais, ambiance... Je n'ai un night. Personne ne vit ici. Qu'est-ce que c'est alors? Ça ressemble pas aux autres structures qu'on a vues. La conception est différente. Ah, mais... Attends, il y a un petit conteneur là-bas. Là. Il doit reste avoir un moyen d'allumer la lumière. Barrest Loop 2. Alors, ça... C'est que je m'approche d'un truc. Attends. Non, c'est un chaud-froid. Tu chauffes? Non. Tiens. Hein? Ah, ça me gratte le cul. Voilà. C'est quoi tout c'est ça? Vers ici. Hein. Hop. Alors là, il y a du truc où cliquer. Appareil alien, les gars. C'est une machine alien bizarre. Bien vu, Sherlock. Non, c'est vrai? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Allez, clique. Vous voulez l'allumer? Et merde! Hein? Mais non! Je me sens mal! Mais à distance respectable! Oh! Ouais, donc c'est la lumière qui se fait chier! Bizarre est un générateur. Ouais, bien sûr, je m'en serais douté! Ah, c'est vraiment réaliste en mode les mecs sont là, je sais pas. C'est pas des mecs qui assurent, je sais pas, le mec l'a fait, on l'allume, je sais que c'est la lumière! C'est la même langue que ces aliens, je me demande ce qu'ils racontent. Bon, j'ai activé l'alarme. Vas-y, on va se tirer d'ici. Là, il y a un machin qui me dit de gauche. Ah, faut que je sorte carrément. Bah, attends, je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs à looter. La porte s'est ouverte. Non, elle est fermée. Ah!
Non, elle est fermée. Ouais. Ça, c'était pas ouvert avant. Ah, l'objectif, c'est là. Ouais, d'accord, attends. Tut. Ok. Y'a quoi là-dedans? Fusil combat. D'accord. Oulou, allez. Te recherches? Bah, je verrai après. Possible. Jusqu'à ce qu'une tornade s'invite. J'ai activé quoi là? Conteneur. Les munitions, machin. Vas-y, vas-y. Bizarre. Vous entendez ça? On dirait qu'ils essayaient de creuser un tunnel. Apparemment, ça a mal fini. Ah, mais il y a eu un bruit chelou. Attention! Inquiète! Inquiète! Un truc en rogne? C'est quoi ça? Ah, on dirait un robot dans Armored Core. À l'ancienne. Un mur. Et voilà. Des robots tueurs en prime. Oh, il y a un gars qui meurt. Le gars t'adorerait cet endroit. Oh, toi aussi, t'es fait tuer par la merde. Elle est grillée. Bah, t'es tout seul. Console ou un truc du genre. Ça, c'est... Il y a un sacré niveau d'énergie derrière cette porte. C'est quoi, c'est un mur? Si elle est fermée, c'est... Je ne sais pas ce que c'est, mais d'après le scan, ça date de plusieurs siècles. Si seulement on avait Sam. Je crois que c'est plus ancien que ce labo et son équipement. Alors peut-être que ces aliens l'ont trouvé sous terre? Un genre d'artefact? Des théories, exploratrices? Il y a une forme de technologie sur cette planète, ancienne, souterraine. Et ces aliens s'y intéressent. Ouais, ça comme des archéologues? C'est ça, des archéologues meurtriers. Ouais, bah c'est dirigé par un empire militaire. Alors. Oula, des points rouges. Où sont les points rouges? Où sont les points rouges? Ah! Ah ouais, les mecs guet-apens, ils étaient planqués derrière des caisses et tout. Allez. Oh, les dégâts par derrière, j'ai pas le temps. Ils ont un paratonnerre en état de marche. Mange-toi ça là. On dirait bien. T'as des chiens. Pas question que je crève comme ça. Je crois bien qu'ils s'en foutent. Ça, c'est des requins. Des genres de requins si. Non. Aucun marteau. Oh, le mec, il m'a mis une esquive, genre matrice. Je suis néo-alien. Eh, hey, mange-toi ça au sol. Ouais, relève-toi. Ouais. Pup, pup. Ah, il a géré. Ouais, c'est bon. Aussi. C'était le dernier. Le mec s'est cru. Ne restons pas là. Il pourrait en arriver d'autres. Bon. Voilà. Là, il y a deux chemins. Tout droit. Il y a un chemin qui descend à droite. Parce que là, à gauche. Ça. Ouais, je pense là. Vous entendez ça? Oui, des parasites. Mais avec un rythme. Oh, il y a un big tuyau en plus. Les parasites sont de plus en plus forts. Hein? Ah, il devait y avoir un truc caché. Je ne comprends pas, je viens de la Voie lactée. C'est gré, ils l'ont capturé. Viens en paix, on a besoin d'aide. Notre vaisseau s'est écrasé. Oh, il parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors? Oh! Ah! Putain, mais on voulait discuter, merde. J'avoue, il m'a vu avec une grosse cache bizarre, il était fait... Je ne comprends pas, je... Au secours! Hop, 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 hop. Voilà, déjà, tu m'as plat pour une rafale. Putain, mais... Il est mort, lui! Réanimé. Pause! Voilà. J'ai du mal à viser avec cette arme. Voilà. Ouf. Ah, j'ai failli gagner. Bon. Merci d'être venu. Il me reste 10 de munitions. Je tapotais mon micro en espérant que quelqu'un le remarque. Ça va? Qui, en fait? Ça va. Où sont les autres? Ils ont tué Kirkland. Mais Fisher est en vie, près de l'épave. T'as du loot? Il s'est cassé la jambe.
Il a besoin d'aide. Ah ouais, va voir le mec là que... J'y retournerai après avoir jeté un coup d'œil ici. Il y a peut-être du matériel. Attendez-nous là-bas. Nous, on va chercher la navette de mon père. Bonne chance. J'ai hâte de faire mes adieux à ce caillou. Ah mais toi, t'as la super armure guerrier là. Viens avec nous. Nous, on est en survêt. Regarde, il est en survêt de motard le gars. Yam. Toxicité 3DL50. Oh. C'est un pipeline, on dirait. Oh, alors. Tac, tac, tac. Je contourne, vas-y. Petite descente et tout. Ah, toujours des très beaux paysages, hein, franchement. Le monde, je me suis fait, hein, on dirait vraiment un environnement. Il y a deux chemins. Je crois que c'est sur la gauche, je vais aller à la gauche. Ouais, un genre de porte-tunnel. Mode base. Là, il y a un chemin à droite. Oh. Oh, oh. Alors. Ça ne dit rien qui vaille. Ramenez-vous. Ouais. On a de la compagnie. Ça court et tout. Oh, les mecs sont déterminés. Il y en a toute une patrouille. Ils ont tout retiré, que là, c'était pas comme les autres. Pas question qu'ils nous embarquent comme clair. Alors. Putain, j'arrive pas à les voir. Ah, j'arrive. Allez, allez. Oh. Putain, ils m'ont descendu trop rapidement. Ah, je suis revenu là, ah, d'accord. Bon. C'est le chemin. Hop. En plus, j'ai plus de munitions à mon fusil d'assaut, donc ça risque d'être chiant de base. J'ai évité le côté gauche. Hein. On va voir ce qui se passe à droite. Allons de l'autre côté. Il y a peut-être des armes là-bas. Allons de l'autre côté. Ça a l'air d'être plus pisse déjà. C'est sympa. Putain, mais les mecs sont en train de polluer le bordel. Ils s'en battent les couilles. C'est quoi ça? Merde, ça devient blanc. On dirait de la javel. Je suis sûr que ça va m'empoisonner dès que je vais me pointer dessus. Parce que là. Là, il y a un genre de coin. Oh! Là, ils vont arriver direct comme des ouf. Il y a un truc à visiter là. Hop. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sérieux en tout cas. Ah ouais, non, là c'est une base de ouf là. Regarde, ils sont là, je les vois. Ah, c'est leur staging. Ok. On va aller de l'autre côté, hein. Je vais essayer de les prendre sur le revers. Pouh, j'ai plus trop de vie en plus. Faudrait que je trouve vite fait un truc de réapprovisionnement de vie là. Ils arrivent. Oh, ça me dit rien qui vaille. Ils arrivent. Vas-y, ouais. Tue-les. On a de la compagnie. Il y en a toute une patrouille. C'est sûrement les enfoirés qui ont embarqué Greer. J'ai évité le contact. Repoussez-les. Ça vise bien quand même. Bah, c'est ça le mode démentiel de base. Les mecs visent très bien. Donc la moindre erreur, c'est un peu. D'accord. Laisse tomber. D'accord.
Putain, mais les mecs, faites des sauvegardes, quoi. Oh, je m'en vais de ce côté-ci. Hein. Je crois qu'il y avait un tournant. On va pas se faire chier. On contourne le problème. Alors, voilà, c'est ça. Bien. Ah, mais c'était là où il fallait aller. 54.3, quelqu'un m'entend ? D'accord. Cora, on vous reçoit. Vous êtes vivante ? La navette est en réparation, mais on est encerclé. Ah oui, ben... Et ils sont hostiles. On arrive. Pourquoi il n'y a pas des guides touristiques, un restaurant où se poser ? Non, change de gun. Environnement toxique, les gars, quoi. Là-dedans. Non. Qu'est-ce qu'il faut ? Hop ! Ah, il y a d'autres tirs, en fait. Ok. Ah, d'accord, ils doivent être de ce côté. Voilà. Ah bah. Et 9. D'accord, vas-y. Salut. Cora, ouais, on ils essaient de nous coincer. T'inquiète. Ils se débrouillent bien en plus. On va se les faire. Descendez-les. Je m'en occupe. Allez. Chou-chou. Lui c'est mort. Choisissez vos cibles. Tac. On en manque pas. Cantaras. Voilà. J'en ai eu un. Pas genre voilà, santé et tout. Ouh. Allez. Qu'est-ce qu'on leur a fait? T'inquiète. Voilà, là je suis chaud là. Attention, ils sont prêts à tous les coups bas. 4 contre 4, ça me suit plus rien les mecs. Ça c'est fait. Supérieur. Ah ouais, la cavalerie à la rescousse. Ça fait plaisir de vous voir. Vas-y. Vous aussi, Harry. Tout le monde va bien? Putain, les mecs. Toujours en un seul morceau. Vous êtes arrivés juste à temps. Où est mon père? Il est parti en reconnaissance pendant qu'on réparait la navette. Et partout seul. Ryder, il y a des armes et des munitions à la navette. Faites le plein. Ils ont essayé de vous parler. Cache d'armes. Charge. Ah, oh, c'est le genre de Uzi. Ça, c'est un flingue allez, assez stylé. Hein. À peine un assez mot, tard, puis ils se sont mis à tirer. Dans les comment ça s'est passé avec vous? On a... Et merde! Ouais. Vaisseau ennemi en approche! Ouh. À couvert, vite! Putain! Oh, petite route! Petite marche arrière, les mecs! Ah, mais ils sont massifs là, ils ont l'air 6-7. Quand t'es à largage, c'est carrément gonflé! Oh, en rappel et tout, ils sont battus les steaks! Ouais! Ne faiblissez pas! Voilà! Ah, ils sont massifs! La foudre a grillé leur navette. Ouais. Canne avec ta voiture. Ouf. Oh, il a mouru, lui. Non. Oh, y'a un chien. Harry, tout va bien? Tire-toi. Putain, il est pas mort. Depuis quand les rochers flottent? Depuis que je suis mort. Bon. Ah, c'est vrai que j'ai des trucs. Si je monte pas de level, alors... Projection, ça c'est ce que je fais. Force 850, machin. D'accord. Nova. Onde de choc. Ah ça c'était stylé ça, je me rappelle. Je vais prendre ça. Singularité, ça c'est le pouvoir du biotique. Hein. Très classe. Là je prends les trois. Et ça. Pour augmenter les dégâts. Oh! Ça va pas se garder! Pouvoir offensif. Singularité. Ouf. Voilà. Ah, je suis bien là. Je suis gonflé à bloc vite. En plus. Hop. Les voilà. Ah, ça les touche pas. Quand t'es à largage, ouf. C'est carrément gonflé. Oh là là, comment il prend cher. Ne faiblissez pas. On est planté derrière un foutu mur. Ha ha! La foudre a grillé leur navette! Fuis! Grenade! Faites attention! Harry, tout va bien? Oh là, c'est un canard! Tiens bon! Oh! Hop! 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 Bien! Bug! Depuis quand les rochers flottent? Ne vous occupez pas de ça! Ça j'aime bien en fait, ça lance une grosse boule, singularité.
et que ça reste sur place, ça casse les couilles au maître. Ça nous fait des petits dégâts, ça fait flotter. Et à la limite, ça l'empêche de vivre. Voilà une autre navette. Avec un temps pareil. Je crois qu'ils nous ont remarqué. C'est quoi ça? Des chiens? Si seulement. Il faut une sorte de camouflage bizarre. Sans déconner. Ah ouais, putain, mais vraiment. Tout le monde est là? Il y en a un, un genre de minigun. Toujours en vie. En multi-rotation, là. Présente. Ça attaque sur le flanc. Je n'arrive pas à les viser. Ouais, il sait pas viser. Oh, le gars, il le prend sur la gauche. Continue de tirer. On va y arriver. Putain, mais... ils sont chouettes, hein, les grenades. Oh là, ça esquive des balles. Allez nous faire foutre. Merde, ils savent se battre, ces cons. Putain, mais les mecs sont planqués et tout. Fouf. Allez, combo Gyuchi. Ça a été d'éclat. Allez, mange-toi ça. Merde, il lâche rien. Je suis en merde. Mais ça devient vraiment des vraies batailles, en fait. Alors, il est où le gros de ouf là? Je pense qu'il a mouru là. Putain. Il est encore mort l'autre. Unité lourde inconnue. Ah bah ça doit être lui. Putain, il a un bouclier l'enfoiré. Merde, il est mouru là-bas, tout seul en plus. Meurs. Achevez-le. Oh pouf, c'est mangé un éclair dans la tronche. Il était lourd d'un coup. Putain, il a régénéré son bouclier. Ah, lui, c'est vraiment un semi-boss. Ok. Allez, va te battre, connard. Oh, mec, ouais, il est là, le canard. Concentrez le feu. Oh là, regarde, il est dans les vapes, il est en train de flotter comme un slip. Ça, c'est genre de con. Ah. Liam, assez. Ouais, c'est juste que ces connards ont tué Kirkland. Ouais, on va faire genre. Je comprends, mais ce n'est pas le moment de perdre son calme. Calme-toi. Voilà, ça va mieux. Les autres ont survécu? Fisher est blessé, mais ça va. Greer est avec lui. La navette. Ouais, les gros bras là. Hey! Elle est blessée! Wow. Oh ouais. À couvert! À couvert! Tenez bon! Wow! Ouais! Genre, elle, c'est la biotique, ça gère des éclairs, quoi. Ah ouais? Tranquille. C'est biotique? Vous en faites pas, ce n'est pas contagieux. Juste avant l'attaque, j'ai réparé nos transmetteurs. Bien vu. Vous êtes la meilleure. Reposez-vous maintenant. Sam, tu es là? Ouais. Liaison avec l'ancien établi. Affirmatif. Siri. Le pionnier veut vous parler. Content de te voir en vie. Quelle est la situation? Je suis avec Liam et Cora. On a des blessés. La bonne nouvelle, c'est que la navette est réparée. On peut rentrer sur l'arche. Pas maintenant. C'est trop risqué avec ces orages. Qu'est-ce que tu dis? Je préfère prendre ce risque. C'est tout aussi dangereux de se balader au sol comme des paratonnerres humains. Sauf si on peut arrêter la foudre. Je ne comprends pas. J'ai une idée. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va. Bon sang, ils m'ont repéré. Chef? Chef! On peut vous laisser avec elle? Je peux la stabiliser. Pour l'instant. On va aller sauver le chef. Y'a la meuf avec moi, alors? Sam, ouais. Tu as la position du pionnier? J'ajoute les coordonnées à votre carte. Partez devant. Ça n'a pas l'air trop loin. Dépêchons-nous. C'est sympa, je trouve qu'en fait, par rapport aux autres Mass Effect... Qu'est-ce que mon père cherchait? Il essayait d'obtenir des infos sur cette tour. Les coordonnées le placent dans la zone. Usez de prudence. Alors, par rapport aux autres Mass Effect, je trouve que les personnages sont plus humanisés. Ça fait plaisir de Avant, c'était limite des surhommes robots, tu vois, c'était sympa. Genre les mecs, élite, tout ça, ils s'en battaient les couilles. Là, on est en mode vraiment bonne famille, ça va.
Ryder, votre père était en difficulté. Il faut qu'on le retrouve. Tu sais, ça panique et tout. Il faut qu'on retrouve le pionnier, le plus vite possible. Mais bon, on y va là. Hop. Oh, mais ça a l'air de descendre et tout. Ah, mais ça me fait revenir au tunnel de la mort. Ouf, Sam a raison, ouf. On n'a pas beaucoup de temps. Électricité statique. Regardez, les paratonnerres, ils attirent la foudre. Ah. Si on reste près du mur, ils devraient nous protéger. D'accord. Et là, il y a des morts. Ce n'est pas la foudre qui a fait ça. Franchement, ouais. Des munitions incendiaires. Mon père s'amuse bien. C'est un ancien N7. Il rigole pas, cela. Oh, il les a tous flingués. Alors que moi, j'ai galéré, on était deux. Ouais, donc je vais vous faire couper la vidéo là. Comme ça, ça fait pas trop de temps. Je vous invite à commenter, comme j'ai dit au début de la vidéo, à partager tous les trucs. Et à la prochaine.